Donc nous essayons dans chacun de ces pays de promouvoir les politiques nouvelles. Et les politiques nouvelles aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que l'Afrique cherche la solution de ses problèmes, d'abord au niveau local. Et tant que l'Afrique ne regarde pas à son intérieur, ne cherche pas ses réponses propres aux défis que le monde nous pose, je pense que nous ne ferons que prendre les réponses des autres. Moi, je crois que c'est lent, ça prend du temps, mais de plus en plus, les réformes d'abord se mettent en place et ceux qui défendent les réformes sont de plus en plus nombreux. Vous savez, moi j'ai commencé à parler de la décentralisation en Afrique dans les années 80. À l'époque, quand on organisait une conférence sur la gouvernance locale en Afrique, on était observé comme étant un gars bizarre ou bien un adversaire. Mais aujourd'hui, vous avez entendu les chefs d'État africains? Bon, ça veut dire donc que les choses progressent. Et c'est peut-être là il faut accélérer le rythme. Il faut qu'on ait beaucoup plus, qu'on mobilise beaucoup plus de gens. Mais je crois que dès qu'on a trouvé la bonne voie, il faut persévérer dans la bonne voie. Parce qu'il ne faut pas aussi changer de politique tous les 5 ans. Il faut persister.